Effectivement, et c'est aussi une des spécificités de cette création médiévaliste, c'est-à-dire quand on représente le Moyen-Âge en dehors du Moyen-Âge et dans toutes ces périodes ultérieures, c'est justement cette idée de mettre en place des univers. On parle de la légende arthurienne ou des légendes arthuriennes. On a eu énormément de réécritures depuis le 11e, 12e siècle. C'est quelque chose qui continue de fasciner aujourd'hui, la preuve avec Kaamelott. Et on se rend compte que dans cette série, le créateur Alexandre Astier réussit à utiliser justement toute cette matière de Bretagne, toutes ces réécritures depuis le 12e siècle qu'il maîtrise, pour en faire quelque chose de nouveau, insufflé avec les problématiques d'aujourd'hui et avec ses goûts personnels, pour créer cet univers de Kaamelott qui est un mélange à la fois de textes du Moyen-Âge et de pop culture, avec des références à Star Wars par exemple, pour créer quelque chose qui plaît à un large éventail de spectateurs. Alors, on retrouve certains a priori avec lesquels joue Alexandre Astier, certains clichés sur la représentation du Moyen-Âge, par exemple, en tant que période barbare, ces âges sombres dont on parle parfois et qu'on essaye un peu, avec des historiens, qu'on essaye un peu de nuancer, puisque le Moyen-Âge, effectivement, ce n'est pas que ça et ce n'est pas véritablement ça. Mais on retrouve dans Kaamelott des références aux pratiques de torture, par exemple, qui permettent un regard justement décalé sur cette relation que pouvait avoir ou que les gens, on estime, pouvaient avoir à la violence, par exemple, avec tous ces épisodes où Arthur décrit à Guenièvre, dans le lit conjugal, comment on utilise tel outil avec un rat empaillé ou des choses comme ça. Voilà, c'est fait pour justement déranger de façon très drôle, et ça permet d'avoir pas tant un regard sur le Moyen-Âge qu'un regard sur notre situation et sur notre conception du Moyen-Âge, de la violence, des pratiques de justice aussi. Quand Arthur finit par dire que vous verrez, dans quelques années, il n'y a plus que les pays barbares qui pratiqueront la peine de mort, on ne peut pas s'empêcher de penser aux pays qui, encore aujourd'hui en 2018, pratiquent la peine de mort. Et on a à la fois un regard sur ce Moyen-Âge réinventé et sur notre vision et notre société contemporaine. Et c'est ça qui est drôle aussi.